Allô, chef! Allez, François, je t'adore! Ça va, Grazi? Hey, aïe, aïe. Kevin, je vais m'attaquer sur ta tête! Nathan! Entrez, madame Boucart, entrez. Entrez, je vous attendais. Je savais que vous alliez repasser. Je le savais. D'ailleurs, j'allais faire du café, puis je me suis dit, non, Denise, attends, madame Boucart va repasser, tu feras du café une fois qu'elle sera repartie. Non, ne vous asseyez pas là-dedans, c'est le fauteuil du chien. Si ça vous avez été, nous n'aurons plus jamais retourné. Oui, là vous pouvez, c'est le bac du chat. Je me doutais que vous alliez repasser par ici pour me raconter la manifestation. Je vous ai vu à la TV tout à l'heure, au journal télévisé. Ah, si on vous a bien vu, avec Monseigneur Léonard. Vous étiez l'un à côté de nous, vous étiez bien assortis, hein. Ça, faut dire que le noir, ça va avec tout, mais... On aurait dit la famille Adams. C'était magnifique. Notez que moi, je n'avais pas mis la TV. C'est Madame Niquez qui m'appelle et qui me dit « Oh, Madame Ternol, mais pas me croire, il y a Madame Boucart à la TV avec Monseigneur Léonard. » Je me dis « C'est pas possible, elle se trompe. » Je dis « Elle doit confondre, je savais que ce soir-là, on repassait l'exorciste. » Je dis « Elle doit voir, elle doit voir. » Madame Boucart avec Monseigneur Léonard, mais c'est l'exorciste. Ouais. D'autant que je sais que depuis que vous êtes tombé dans l'escalier, on n'arrive plus à vous remettre votre tête à l'endroit. Mais non, c'était vous! C'était vous, je vous ai vu! Oh, vous avez vu! Ah, oui! Il y a Madame Niquez qui me dit, mais qu'est-ce qu'elle fait avec Monseigneur Léonard? On sentait qu'elle était jalouse. Parce qu'elle elle ne sait pas que vous êtes active au sein de l'évêché. Elle ne sait pas que ça fait des années que vous êtes dame patronesse là-bas, hein, que vous êtes un petit peu l'une de cette dame de compagnie quand il sort. Hein. C'est normal, hein, cet homme-là, il ne peut pas sortir tout seul, surtout en public comme ça. Hein. Je lui ai dit que quand il va à la toilette, c'est vous qui tenez son sac. Quand il va faire pipi, vous tenez la porte pour qu'on ne rentre pas. Elle ne savait pas que quand il allait faire pipi, Monseigneur Léonard, c'est vous qui lui tenez. Elle était jalouse. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Elle était jalouse. Et alors, elle me dit, mais pourquoi qu'il a choisi Madame Boucart? Je dis, pour que les gens n'aillent pas parler, parce que je lui ai expliqué, s'il prenait une jeune et jolie fille, on pourrait croire qu'il a des affaires qui se passent. Et elle me dit, mais il n'a qu'à prendre un garçon. Je dis, oui, ce serait pire. Ah, ça serait pire. Ça serait pire. Au moins, vous, avec votre physique, on n'ose rien imaginer, ou alors faut déjà être pervers. Hein? Ah, oui, 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 oui. Et c'était bien, là, la manifestation que j'ai vue, là, contre l'avortement, hein, c'est ça. C'était bien, oui, oui, oui. Il n'y avait pas grand monde, hein? Pourtant, il faisait beau. Hein? Faut pas demander s'il avait plu. Ah, oui. C'était pour l'avortement, c'est ça. Non, contre l'avortement, oui, contre. Oui, je me doute bien que Monseigneur Léonard, il va pas pour l'avortement. Hein. Monseigneur Léonard est rarement pour l'avortement. Hein. Ça dépend. Hein. Bon, si le papa est un curé, là, il peut encore... encore faire quelques exceptions.
Sinon, rassurez-moi, vous ne vous sentiez pas concerné vous-même, hein? Oh, non, alors je disais aussi. Oh, non, je sais bien que parfois, la nature fait des miracles, mais là, elle ferait de l'humour, hein? Oui, hein? Même quand vous étiez plus jeune, vous n'avez jamais été en quelque sorte confronté au problème. Ben non, il aurait fallu que vous connaissiez un homme pour ça. Ben écoute, vous n'avez pas un physique facile, c'est pas de votre faute. Et vous ne l'aviez jamais eu, c'est pas de votre faute non plus. Vous savez que je me souviens de vous à une fête de la paroisse. Je me souviens que vous étiez très chrétienne, très généreuse comme ça, surtout avec les hommes. Je me souviens quand vous aviez dit au fils du pharmacien: prenez, ceci est mon corps livré pour vous. Je le vois encore partir en courant, le pauvre garçon. Ah, pour lui, c'était pas une Eucharistie, c'était un chemin de croix. Hein. C'est carrément une descente au tombeau. Hein. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Madame Boucart, vous n'êtes pas responsable. Moi, j'ai toujours eu un physique avenant. Allez, oui, oui, oui. Bien sûr. J'étais peut-être moins craignante que vous, mais j'étais beaucoup plus pratiquante. Hein. Je me souviens quand c'était moi qui passais à l'offrande. Les hommes étaient toujours généreux avec moi. Hein. Dès qu'il voyait passer mon panier, il mettait quelque chose dedans. Hein, ça, ça. Écoutez, on ne se refait pas, hein, on ne se refait pas. C'était nos jeunes années. Oui, vous vous sentez toujours jeune, Madame Boucard. Je ne voudrais pas vous décevoir, mais vous vous sentez jeune. Mais vous n'êtes plus jeune. Ah, si, il faut regarder à la TV les images, c'était terrible. Avec les jeunes, il y avait des... Ah non, faut pas croire que vous êtes jeune parce que vous partagez les idées des jeunes. C'est justement des jeunes qui partagent les idées de vieux, ceux-là. Ceux qui manifestent contre l'avortement, là. Ah oui, ah, alors vous vous êtes trompé, hein. Ah, quand je pense qu'il y a encore des jeunes en 2011 ici qui manifestent contre l'avortement. Mais allez, 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 allez. Oh, pays de cocagne quand même. Oh, faut regarder. On voit bien qu'ils n'ont pas connu l'époque où les femmes n'avaient pas le choix. Ah, nous, ça. Ah, parlez-en à votre maman, enfin, si elle était encore là. Je vous assure que votre maman, elle n'a eu qu'une fille, c'est vous, mais je suis sûr qu'elle aurait eu le choix, qu'elle aurait réfléchi. Ah, oui. Et elle aurait vu comment vous êtes devenu maintenant, elle n'aurait pas hésité. Dans votre cas, c'est thérapeutique. Hein. Moi, je pense à toutes les mamans qui ont vu à la TV leurs enfants de 22, 23, 24 ans défiler à Bruxelles contre l'avortement. Eh ben, j'en connais quelques-unes parmi celles-là qui ont regretté de ne pas l'avoir envisagé il y a 25 ans. Hein. Ah oui, hein, c'est sûr, hein, ça. M'a dit, mais de quoi je me mêle? De quoi je me mêle, c'est vrai. Je sais que l'avortement, c'est légal jusqu'à quoi? 4-5 mois? Mais dans certains cas, quand je vois ces jeunes-là, ça devrait être légal jusqu'à 25 ans. C'est vrai, hein? De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Hein? Moi, je dis, on est libre de son corps. On est libre de faire ce qu'on veut de son corps. Oui, vous êtes libre de faire ce que vous pouvez de votre corps, Madame Boucarnem. Mais je trouve qu'une femme, surtout une femme, est libre de faire ce qu'elle veut de son corps. Il y a des limites quand même. Parfois, il y en a qui exagèrent. Je ne sais pas si vous avez vu dans le journal la semaine passée, cette femme-là, 63 ans. Maman a 63 ans. Vous avez vu des jumeaux en plus, comme si un ne suffisait pas. Puis on va les deux. Mais allez, 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 allez. Oui, il faut du courage, il faut du courage, surtout pour l'homme qui lui a fait ça. Hein, parce que... Oui, c'est vrai qu'après 60 ans, il y a encore des femmes bien conservées, quand on voit Joël Milquet. Mais quand même, des jumeaux à 63 ans. Et en plus, il paraît qu'elle avait déjà eu une fille à quand elle avait 22, 23 ans, cette femme-là. Donc, vous voyez l'âge de la fille maintenant, hein? Vous vous rendez compte, ces enfants-là, quand ils seront à l'école. Oh, il y a ta grand-mère qui est venue te rechercher à l'école. C'est pas ma grand-mère, c'est ma sœur. Elle est venue me chercher parce qu'on va voir ma nièce qui vient d'accoucher.
enfants, ouais, c'est... Vous vous rendez compte que cette femme-là, 63 ans, elle vient d'accoucher. Ben, d'ici une paire d'années, on va devoir lui trouver un home avec une crèche. Pareil, hein, pareil. Et en plus, elle a décidé d'allaiter. Ouais. Ben, une montée de lait à 63 ans. Il faut 3 semaines, hein. Le temps que ça remonte, hein. Par contre, quand ça monte, ça monte, hein. C'est plus une montée de lait, c'est un tsunami, hein. Mais il y a des avantages à l'été quand on a 63 ans. C'est qu'on peut donner le sein au bébé quand il est dans son berceau, dans sa chambre. Tout en continuant à repasser dans la cuisine. C'est bien. Allez. Ça, c'est bien. Et pour ça, c'est bien. Et en plus, elle est là, en a deux. Donc, elle peut en laisser une dans la chambre et l'autre dans le salon. Et pendant ce temps-là, elle fait à manger. Ça, c'est bien. C'est bien. Mais c'est trop vieux. Moi, je dis 63 ans, c'est trop vieux. Et encore, elle les a fait elle-même. C'est comme ceux qui adoptent à 70 ans, hein. On le voit dans les magazines, hein, c'est la mode, hein, surtout chez les vedettes. Allez, allez, allez. Adoptée à 70 ans. Moi, j'en connais une qui a adopté ici à 70 ans. Mais là, elle avait une excuse, elle avait une petite pension. Maintenant, au moins, elle a les allocations familiales. Eh bien, vous savez, moi, quand je vous parle, Madame Boucart, j'ai plus que 70 ans, bien sûr. Eh bien, j'y ai pensé. À l'adoption, j'y ai pensé, j'ai hésité. Finalement, je me suis dit, allez, allez, allons-y, si on peut faire un heureux. Et donc, j'ai eu samedi. Hein? On a été à la SPA. Ben, j'ai hésité. J'ai hésité. Je n'ai peut-être pas le droit d'adopter. J'ai un chien comme ça. Je n'irai peut-être pas jusqu'au bout avec. Ben, j'ai été sans complexe quand j'ai vu qu'il y avait une femme beaucoup plus âgée que moi qui venait chercher un petit chien aussi. Elle était sûrement beaucoup plus âgée parce que la femme de la SPA dit au revoir au chien en disant « De toute façon, on se revoit la semaine prochaine. Je ne parle pas trop fort parce que Sandy est dans la cuisine, s'il nous entend, il ne le sait pas qu'il a été adopté. Il ne le sait pas et je ne voudrais pas qu'il l'apprenne autrement que par moi. D'ailleurs, je vois qu'il va falloir que je me décide parce que s'il m'arrivait quelque chose, je ne voudrais pas que ce soit le notaire qui lui dise. Et puis, je le vois bien dans la rue, il discute avec des chiens, ils ne sont pas bêtes, hein. Ils ne sont pas bêtes, hein. Il voit bien que je suis toute seule. Donc, il doit se dire, mais comment est-ce que je suis arrivée là? Elle n'a pas de mari, hein, c'est vrai. Donc, jusqu'ici, je lui ai dit que juste avant sa naissance, son papa était ramassé par une voiture qu'on a dû le piquer. Mais il va se douter de quelque chose. Il va finir par se douter de quelque chose, d'autant qu'on ne se ressemble pas. Il est d'origine asiatique. Et c'est un shih tzu. Ah, c'est... C'est un shih tzu, c'est pas de la merde, hein. C'est un chien de race. C'est un shih tzu. Il est d'origine asiatique. C'est pour ça qu'à un moment, il va bien se rendre compte qu'il a quelque chose, hein. C'est comme la petite fille de Johnny Hallyday, hein. Elles vont finir par se rendre compte, sûrement, hein. Mais elles, quand elles vont se rendre compte, ce sera sûrement un soulagement. Today, I just woke up and I said, no, instead of waiting on a good day.